Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et dans mes croix, c'est toujours serviteur nous. Et amis, nous, merci Dieu. C'est un immense et réel plaisir pour nous capables ensemble avec nous. Et m'a souhaité nous bienvenue sur Chanel Pepla, Chanel Information. Et quand nous pour l'informer, nous pour le poter pour toute information et toute dernière nouvelle qui a dominé l'actualité. Et mais bien avant, permettez-moi de saluer et remercier toutes les amis et qui permettent de travailler la possible. Les amis qui toujours quitté un green commentaire, qui aident nous partager, qui like. Et bien, merci pour si pour nous, merci et pour collaboration. Et ou même qui fait que croiser avec Chanel ça, nous souhaitons bienvenue. Et n'a tout profité, invité pour faire partie de grande famille ça. Et pour devoir abonner, activer cloche notification. Pour capable toujours être informé. Nous disons tout le monde bonsoir, puis information nous allons pour développer pour après-midi dans le journal ça, Trésor américain. Sanctionné ancien président chambre député à la 50e législature dans Gary Bodo pour corruption largement là j'étais bien là-dedans et puis d'après d'avoir été gagné et c'est une dans monde qui appuyait gang armé dans le pays d'Haïti de officiels corrompus tant que Gary Bodo y a une grosse responsabilité dans créer un environnement délétère dans le pays d'Haïti qui fait gang armé vienne extrêmement puissant et qui a fait population pays d'Haïti a souffrir. Déclaration sa porte signature Brian Nelson, sous-secrétaire Trésor américain et qui est responsable question terroriste et renseignement financier. Quelques réactions après décision sa gouvernement américain prend, ancien député 50e législature Jean-Robert Bossé, qui était lui à Bagné OPL, représentant circonscription à Kéan, pour lui-même, c'était une distraction. Canada et États-Unis, et après, les sanctionnés une série de personnalités politiques ou bien privées, et pour Gary Bodo, et ça plus semblait à distraction, d'après ça le fait qu'on est. Ancien député, dans l'interview de Radio Kiskeya Bossé, cependant, il n'est pas étonné pour le non ancien président Gary Bodo figuré, je ne dis dans la liste sanctionnée, Jean États-Unis fait le jour ne dis mais avant ça, Canada. D'après ça, le dit, mais les plus saisis, ouais, pays, ça, yo, qui voulait montrer, yo, a sanctionné moun, dans pays, a pas suspendre, supporter, ou bien restaurer délinquants en Haïti, d'après ça, le dit. Bon, côté parle, ancien député Marigot, toujours 50e, D8, D8, dit pas étonné du tout, et pour yon moun, takou Gary Bodo, qui était président, chambre députée à la 50e législature figurée sous liste de pays Amérique du Nord. Yo, et je dis à ces États-Unis, mais avant ça était Canada, comme moun qui est bien en corruption et qui est soutenu gang armé. Dans l'interview, Libaye, Radio Kiskeya, ancien parlementaire, a fait connaître une honte et pour un ancien président chambre tomber en bas sanction pays étranger pour corruption avec moun qui a alimenté gang qui a théorisé pays. L'autre gros dossier, c'est le dossier l'église épiscopale. Il y a un avocat qui se met Peggy Jean sous rebondissement dossier. Fait qu'on est l'église en tant que telle, pas de rien pour le scandale ZAM. Ak munitions, la police te saisi la douane, la date 14 juillet 2022, dans un port privé caribéen port, dans la Saline, côté gen plusieurs monde dans quatre scandales qui sont en prison, parmi eux, ils sont responsables dans l'église de la Père Franz Kol, et selon DCPJ avec BAF, ils ont découvert, c'est un homme riche lié, il a l'argent, et nan, ni en Haïti ni en pays étranger, il a compté 1 million de dollars américains sous lui. Les gens pile bien, caille, particulièrement dans Port-au-Prince, au moins une dizaine. Et puis, c'est lui-même qui t'a alimenté une série de gangs, tant qu'au village de Dieu, à quand l'autre gang, dans la zone Port-au-Prince, dans l'autre gros gang. Et puis, médecins résidents, bandits pas arrivés identifiés, il y a deux là-dedans, ils ont kidnappé. C'est Junior Daris et Emmanuel Joseph. Pendant et jusqu'à présent, dossier grève et dans l'hôpital général là, après poursuivre, d'après ça, et deux médecins résidents, Yon Ladeo et Verneus Maximin, et faire Radio Kiskeya connaît.
sécheresse a frappé agriculture sérieusement dans tout département, tant que département nord-est. N'a pas le président chambre commerce avec industrie nord-est, là, Albert Pierre-Paul Joseph, et sous difficulté qui gagne dans le département à question sécheresse. Là. Et puis, nous connaissons la période rara, bon, ministère culture en Haïti réduit à financer activité carnaval à rara, puisque par exemple, qu'il y a notre politique qui a peine, pas même politique éducative et par rapport à la population, surtout l'obga des gens rara dégénéré, je ne dis pas. Rara authentique, là, faut qu'on cherche en pile pour joindre ni. On a parlé avec Paul André Fenaka, et président Fédération Nationale Kazakh Haïtien, qui fait qu'on n'est pas capable de gagner Rara, dans la zone dans Bokassin, commune Cabaret, qui sous Akaeto, et à cause gang Canaan, qui empêchait l'activité ça faite dans la zone. Dans l'actualité internationale, le président Macron tend une visite en trois jours dans le pays la Chine, lié avec le président de la Commission européenne. Mais il n'a pas parlé d'un série de sujets qui a fait gros la Chine fâchée, tant que question Taïwan. Et puis, en pile critique contre le pays Israël, après violence de l'armée Israël à la police fait dans la mosquée Al-Aqsa, la nuit hier soir dans Jérusalem. Poutine, bon côté, pas l'accusé service renseignement pays occidental, d'après avoir c'est eux-mêmes qui fomentaient attaque terroriste, qui fait contre un blogueur militaire, qui perdu la ville dimanche soir pendant l'étape amusé dans un café dans Saint-Pétersbourg. Silvio Berlusconi, ancien chef gouvernement italien, extrême droite, en tout cas droite très dur, l'hôpital, en soins intensifs, d'après ça, a annoncé. Et puis, remords Bill Clinton, son gel était remords déjà d'après avoir, c'est lui-même qui était enfalé production durée en Haïti, l'État fait promotion pour durée dans propre pays, particulièrement à Kansas, c'est percé marché haïtien. Et bien, je ne veux dire, ancien président démocrate, là, il regrette d'après avoir, il était travaillé en pile pour dénucléariser l'Ukraine après l'Union soviétique. Au Faclan, il désignait. Et Bodo, Gary Bodo, et selon IO13818, non, d'après d'avoir son individu étranger, qui c'est un ancien ou bien un actuel fonctionnaire dans le gouvernement, il a parlé de statut, alors c'était un parlementaire, ou bien un monde qui a agi, ou bien un fonctionnaire, et qui est responsable ou bien qui est complice, alors c'est tout. Et palette ça qui gagne, qui permet de capable sanctionner Gary Bodo, directement ou bien indirectement, qui participe dans la corruption, là de détournement bien l'État, monde qui fait d'appuyer sous bien privé monde, et pour être capable de jouer de lui personnellement, corruption qui est liée à contrat gouvernement bail, ou bien à ressources naturelles, yo capable d'exploiter dans le pays, ou bien corruption en général. Gary Bodo est impliqué dans plusieurs manœuvres et corruption. Pour faire l'argent, il était engagé dans chercher influencer résultats et nominations et politiques dans les pays, particulièrement elle était facilité ou bien était sollicité pour être graissé par petit pot de vin qui vaut plusieurs millions de dollars pour être capable de faire ça. Dans l'année 2018, c'est toujours le gouvernement américain qui a parlé à travers notre ambassade américaine publiée, Bodo était payé des responsables haïtiens. Pour être capable de vendre votre. Il te parlait de votre tab vendre. Pendant que tu as cherché, nommer des gens dans le poste ministériel. Il te sollicité tout, gros l'argent pour te graisser patli, qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, bon côté de gros fonctionnaires, pour être capable de soutenir politiquement. Pour être capable de soutien politique. Dans l'année 2019, Gary Bodo te proposé, elle te arrivé joindre. Et yon vote et favorable dans la chambre et député a pour yon et ministre, alors son premier ministre, pour parler sûrement de scandale Fritz William Michel, le premier ministre dans l'affaire Cabrit, non. Nous connaissons qui scandale ça a été provoqué dans la chambre, non. Il était arrivé et fait l'argent dans la question vote ça, et plusieurs millions de dollars à travers l'argent individu ou bien membre. Et chambre députée, a été distribué l'argent ça, plusieurs hommes d'affaires haïtiens, te baille entre 500 à 600 millions de goudes, ça baille entre 6,2 à 7,4 millions de dollars, dans le cadre de marchandage pour être voté premier ministre.
L'argent était distribué dans la chambre députée. Hein? Guy Bodo, c'est lui-même qui t'a mené le mouvement pour influencer le résultat de vote ça. En avance et instant fait dans le Parlement, Bodo a participé dans des rencontres, discussions et sous vote là, qui était voté dehors, et avec l'argent, et l'argent divers membres dans la chambre des députés a été distribué et séparé. Après action jeudi, eh bien, tout bien avec intérêt que Gary Bodo gagnait et qui trouvait dans le pays États-Unis, ou bien qui sous contrôle de monde qui c'est américain, tout bloqué. Et yo doué signaler ça tout s'il gagne bien monde qui a responsable les affaires li bay OFACLAN qui occupé de question ça et qui dépendent de ministère trésor et en plus de ça toute entité qui gagne directement ou bien indirectement individuellement ou bien collectivement à 50% plus et youn ou bien plusieurs monde et qui sanctionné et dans quatre mesures ça toute affaire yo activité yo bloqué dans pays États-Unis à moins que tu aies une autorisation spéciale et spécifique que OFAC la tabaye pour être capable de fonctionner et ou bien réglementation OFAC la interdit généralement transaction depuis pour mesure contre monde à partir de mesure ça et li pas ka faire aucune transaction américain en dedans ou bien qui en transit dans pays États-Unis qui impliquait bien ou bien intérêt moun ça États-Unis prend sanction contre lui. Tout ça le gagne comme activité bloquée dans pays États-Unis. En plus de ça, institutions financières ou bien l'autre monde qui engagé dans cette transaction ou bien activité ak entité ou bien individu qui sanctionné yo, eh bien si on la poursuivre dans route yo même tout pral prendre sanction et côté gouvernement américain prend de mesures, il a metté en application contre yo. Interdiction, gen la donne tout et yo pas capable gon paquet d'activité pas ka faire dans pays États-Unis et dans question bien dans question service dans question l'argent et pour tout monde qui prend sanction ça son sanction totale dit pas capable mener une série de activité dans pays États-Unis l'elle appuyé sur Global Maniski Human Rights Accountability Act lan IO 13818 lan te publié dans date 20 décembre 2017 le fait que yo te dit que question violation droit moun à travers le monde et à corruption et qui source violation droit moun en pile fois en totalité ou bien en grande partie qui fait dehors pays États-Unis capable gagner impact sous pays États-Unis selon ampleur yo vinn prend et gens gravement grave yo capable menacer stabilité communauté internationale là à tout système politique à système économique mondial là. C'est ça fait États-Unis voter loi ça violation droit monde gravement grave à corruption à craser toute valeur qui représentait fondal natal essentiel société qui stable société qui a vivre dans sécurité qui a fonctionné et bien les qui te bagay ça la été yo gain des conséquences catastrophiques sur individu yo yo faibli institution démocratique yo yo dégrader l'état de droit et yo permettre un conflit ak violence ap laïté yo faciliter activité des moun qui c'est des malépendiers yo yé pour pays yo pour le monde yo craser question marché économique yo États-Unis ap chercher pour imposer et par des moyens très clairs tangibles et significatifs loi ça et pour tout monde qui commet violation gravement grave droit monde ou bien qui a fait activité corruption gravement grave qui gagne répercussion sur droit monde et pour protéger système financier dans pays États-Unis contre abus monde ça yo a fait donc c'est tout justificatif États-Unis bail pour loi ça et l'elle mettait dans application et pouvoir avec intégrité sanction au faclan et li sorti non seulement dans capacité au faclan pour longer droite et ajouter moun et sous liste et li sanctionner yo parce que il doit pas être un seul moun et spécialement moun li longer droite sous yo moun yo bloqué affaire yo ça les SDN nan mais et tout volontaire pour supprimer dans liste SDN nan Jean la loi prévoit moun que yo ta arrivé joine soit état abut affaire etc et parce que li dit et loi ça c'est pas pour yo sanctionner moun et pour punir li fait mais li là pour provoquer un changement positif dans comportement yo et pour plus information d'après l'ambassade américaine nan di sous processus mandé à retirer et liste mettez moun sous liste ou bien retirer dans OFAC là
la de liste SDN nan, yo capable référer à ça les foire aux questions 897 au FAC ici et pour l'autre information détaillée sur processus nan pour soumettre une demande ou bien pour faire retrait donc non liste moun qui sanctionné en bas au FAC yo capable cliquer tout yo bay référence nan koto ka cliquer pour plus information et sou moun yo et journée jodi a sanctionné en Haïti et qui c'est Gary Bodo ancien président chambre député gouvernement américain accusé d'après avoir li bien en corruption fait plusieurs millions de dollars et li entraîné avec les députés yo dans marchandage pour vendre vote il prend l'argent dans main de homme d'affaires en 6 à 7 millions de dollars pour te favoriser un vote en faveur Fritz William Michel le pas mettre non mais époque yo bail là li référer à ça et nous connaît scandale qui te gagné il te parler de affaire Cabrit et donc voilà et réaction concernant et sanction ça et Gary Bodo te déjà pris sanction dans main gouvernement canadien et faut que nous dit tout dernière sanction et Canada se prend dernièrement et qui concerné et ancien candidat Steve Kaoli ancien candidat à la présidence en babanier parti et Gary Bodo a bouclier les sanctionner tout c'est Canada qui prend sanction contre lui pour même raison et Steve Kaoli ancien député Jean-Aubert Bossé dans réaction dans micro radio Kiskeya fait connaître sanction États-Unis à Canada et prend compte une série personnalité politique et secteur privé parmi eux jeudi ancien président chambre député 50e législature Gary Bodo n'a cité le plus semblé une distraction. Dans l'interview de Radio Kiskeya, ancien député a dit pas étonné cependant pour non ancien président chambre député Gary Bodo vient ajouter sur liste sanction pays États-Unis prend contre une série de haïtiens mais le plus saisi ouais pays ça qui dans Canada et États-Unis n'a cité toujours voulait montrer il a sanctionné moun dans pays en pendant pas suspendre supporter ou bien restaurer délinquants en Haïti. Ancien député Télia Bagné au PL a représenté circonscription Akin dans 50e législature fait connaître sous côté corruption et qui était établi comme norme dans parlement haïtien et quelques parlementaires qui étaient toujours prend distance et Akin pratique ça c'est vrai qu'un groupe parlementaire pas qu'à mettre non dans dossier ça parlementaire qui était en opposition avec régime tête calé ancien député Akin dénoncé pratique majorité parlementaire cependant qui était toujours besoin de faire gros l'argent dans séance ratification premier ministre avec l'autre séance important tant qu'on a un moment pour voter budget il était tout profité rappeler gros gymnastique ancien président Chamnan Gary Bodo t'es fait pour te faciliter séance ratification ancien premier ministre qui pas trouvé passé désigné Fritz William Michel dans chambre député et de songer tout à qui rapidité te mettait ancien premier ministre Jean-Henri Séan à terre il était battre l'estomac pour dire lui-même les sont spécialistes dans question séance et n'a écouté ancien député Jean-Robert Bossé dans micro Vladimir Maurice Ridoy. À la vérité, c'est pas sanction contre ancien député, ancien président, chambre député à Gary Bodo et toute l'autre qui est étonné moi, c'est le fait que gagne un bon à paquet les autres qui pas sanctionné. Tout le monde yo sanctionné, soi-disant yo sanctionné là, yo pas de coucou. L'ensemble de tout premier ministre que nous connaissons là yo pendant ces 5 ou 10 dernières années, maintenant ça concerne moi, comme ancien député de l'OPL, la CAIMOI à Kin, mais capable de dire que vous prenez Claude Joseph, que vous prenez Lapin, qu'on prend Inès Jean-Charles, qu'on prend Jean-Henri Séan, qu'on prend Jacques Guy Lafontaine, tant d'autres encore, ensemble de candidats à occuper fonction ça ou d'autres qui étaient occupés déjà, eh bien c'était toujours la même histoire. Un catafalque, l'argent qui débarquait dans la Chambre des députés, dans le Sénat République, pour être capable de ratifier. Et bagaille ça, il y a des gens qui enrichissent là-dedans. Il y a des parlementaires qui enrichissent là-dedans. Parce que c'est des professionnels dans le deal pour ratification au premier ministre, le budget pays, la séance de ratification, que William Michel et non
notre ancien collègue, notre ancien président de la Chambre des députés à l'époque, c'est Baïtetli, une satisfaction énorme pour le dire que son docteur, il a un doctorat dans la ratification Premier ministre. Et à l'époque, c'est qu'on appelle clair des faits à l'autre au niveau du Sénat de la République. Docteur Cantal, pour le dire, pour le mettre les bouchées doubles et pour le faire montrer compétence justement pour faciliter la ratification de William Michel. Si on comprend grave discrédit qui tombait sous 50e législature, les plusieurs membres déjà sanctionnés. Pas gagné un discrédit, Ridoré, qui tombait sous 50e législature, gagné un discrédit qui tombait sous des membres de la 50e législature. Pas capable de parler de discrédit sous 50e, non, c'est des gens sélectionnés à l'intérieur de la 50e législature. Gagné moins la donne, les députés bossaient la donne, qui depuis 2018-2019 a dit que nous sommes sur le point de construire un État voyou, un État délinquant. Moi, j'étais en fonction dans le 50e dans le Mdabdili. Moi, pas mal citer un paquet de noms de députés là pour ne pas faire des jaloux. Nous avons député comme député Renal Exantus de l'Esther. Donc, nous avons des échantillons à l'intérieur de la 50e qui étaient fait différence. Donc, qui étaient défaits, démarqués tête de cette pratique qui était presque imposée tête comme la règle, la corruption à l'intérieur du Parlement haïtien. Selon vous-même, qui efficacité mesure ça y a, qui message ou quoi Washington, voulez-vous ébaye Haïti, même Jacques Canada qui était déjà sanctionné plusieurs personnalités politiques et membres secteur privé ya, pour soutien au tapoté de gang et dossier corruption grave. Pour moi-même, je pas quoi un message pour moi, ouais, la décision américaine ou bien canadienne, yo, moi dis son distraction que lié. Si effectivement, moi connais, yo t'es sincère avec nous, je suis capable de dire son message, vous voyez, by tout le monde qui a fait corruption en Haïti et qui a financé gang, mais ça qui arrive, yo, pas quoi la donner parce que vieux ou ridoré, c'est important. Pendant que y a voyé soi-disant un message by moun qui a fait des ordres, mais ça qui arrive, etc. Mais yo, en même temps, tout a restauré délinquant. C'est ça que fait moi-même. Moi, pas qu'à croire dans ça l'affaire. Et moi, pas capable de larguer destiné pays, moi. Avenir pays, moi, jeune, yo. Moun âgé, yo, nan men de étrangers, de ambassades, dans le temps et jusqu'à date, qui a supporté des voyous en Haïti. Voilà, ancien député Jean-Robert Bossé, qui était dans la 50e législature, ancien député qui était élu à Bagnères OPL, qui était représenté. Circonscription à Quin dans la 50e législature, là, qui t'a répondu à une question Vladimir Maurice Ridoré concernant sanctions États-Unis prend contre ancien président Chambre député Leltela. Et dans la 50e, là, on a parlé de Gary Baudot. Ancien député Marigot Deis de Honnête.